justicier. Bibou et l'attaque éclair. Ça va être trop bien d'aller au coin lecture aujourd'hui. Quel livre tu vas choisir, Amaya? Amaya! Oh, j'ai le nouveau livre de Zoé Zapp. Ah mais oui, c'est vrai que c'est ton personnage préféré, Amaya. Une super-héroïne et une ceinture noire de karaté. Évidemment, c'est le meilleur super-héros de tous les temps. J'aimerais tellement avoir ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant que ça? Elle ne sait pas voler. Je connais une super-héroïne avec des super-pouvoirs qui est encore plus forte. Hé, mais qu'est-ce qui est arrivé à nos livres? Regardez. C'est qui celui-là? Et où sont passées nos histoires? Maintenant, on n'a plus rien à lire. Je n'aime pas. Toutes les histoires ont disparu. Il n'y a que des photos de Roméo. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais on va l'arrêter. Et j'utiliserai la frappe éclair de Zoé Zapp. Zoé Zapp, attaque éclair! Oups. Tu pourrais peut-être te servir de tes super pouvoirs à toi. C'est bon, je finirai bien par y arriver. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Greg devient... Glu-glu. Sacha devient... Yo-yo. Amaya devient... Bibou. Les pyjamas. Bon, il faut qu'on trouve Roméo. Cool, caméléon. Prenons l'astro hibou. On pourra le repérer depuis le ciel. D'accord, Bibou? Bibou. Je crois que Bibou est trop occupé pour piloter Glu-Glu. Prenons le chat bolide à la place. Bibou? Oh, attention à toi, Roméo. Zoé Zapp va débarquer. Tu trouves que tu es belle, petite licorne, n'est-ce pas? Eh bien, je connais quelqu'un qui est encore plus beau. Bientôt, il y aura des photos de moi partout, en commençant par tous ces livres. Vous êtes le plus beau maître. Le monde entier sera ravi de vous obéir. Oui, et de toute façon, ils n'auront pas le choix. Allons chercher d'autres livres. Où est Roméo? Sers-toi de ta vision pour le trouver, Bibou. Pas besoin, Glu-Glu. Je peux utiliser un des pouvoirs de Zoé Zapp à la place. Localisation par la pensée. Localisation par la pensée? Oui, Zoé Zapp prouve n'importe qui rien qu'en se concentrant très fort. Mais ça marche que dans les bouquins, non? Hein? Mes oreilles de chat captent quelque chose. C'est le rire de Roméo. Tu es aussi génial que moi, mon robot. Les pyjamasques. Serpent rampant, Roméo. Pourquoi est-ce que tu as abîmé nos livres? On les aime, nos histoires. Eh ben, moi, je n'aime pas ça. Je préfère plutôt regarder des photos de moi. Hein? Mais tu devrais essayer de lire un truc, comme mon livre de Zoé Zapp. Pas question! Débarrasse-toi de ces idiots robots! Roméo a déjà pris tous les livres. Je vais les récupérer avec l'attaque éclair. L'attaque éclair vient de finir par terre. Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super pouvoirs à toi? C'est pas que je ne veux plus, mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris. Enfin, quand j'arriverai à la faire. Comme tu veux. Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller. Où est-ce qu'on trouve des livres? À la bibliothèque municipale.
bibliothèque. Beau travail, mon ami mécanique. Bientôt, tous les livres de la ville parleront de moi. Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps. Merci, maître. J'aime Roméo. Roméo est un génie. Prochain arrêt, la bibliothèque. Parfait, la porte est toujours fermée. Roméo n'est pas arrivé. Gluglu, tu grimpes là-haut. Quand je lui aurai attrapé les pieds, tu sautes sur le robot et tu le fais tomber par terre. C'est d'accord, Yo-Yo. Gluglu, main collante. Gluglu, reptile au camouflage. Bibou, utilise ta Hibou Vision pour nous prévenir quand ils arrivent. Sois sur le coup. Ne t'inquiète pas, Yo-Yo, je m'en occupe. Bibou, aide de la nuit. D'accord, j'attendrai ton signal. Zoé Zap, ouvre l'œil et scrute la ville. Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr. Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair. Attaque éclair. J'ai enfin réussi. Ouais. Oh non, je ne l'avais pas vu. Et dire que je devais prévenir les autres. Robot, robot. Robot. Par mes écailles. Quand je les aurai trouvés. Là. Chabolide, cache-toi. Pile quand j'ai besoin de vous. Tiens, mettez-vous derrière ces deux arbres et tendez-la bien, au ras du sol. Si on veut arrêter Roméo, on doit d'abord arrêter son robot. Et maintenant, Bibou? Maintenant, l'extraordinaire Bibou va utiliser ses propres super pouvoirs. D'abord, Bibou, aile de la nuit. Puis, Hibou Vision. Youhou! Regarde, Roméo, tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré. Quoi? Attrape-le, robot. Tu croyais que ça allait être aussi facile? Donne-moi le livre. Arrête. Viens chercher. Arrête de bouger. Reste immobile une petite seconde. Vas-y, robot, attrape-la. C'est toi le chat. Non, robot, attends, stop. Ouah. Finalement, ton livre de Zoé Zap aura servi à quelque chose. Debout, t'as de ferraille. Aïe. Merci, maître. Je me sens beaucoup mieux. Quoi? Mais c'est pas Bibou, ton maître. C'est moi. Bibou est un génie. Par mes oreilles de chat. On dirait qu'en tombant, ton robot est tombé sous le charme de Bibou. Ouais. Bravo, robot. Maintenant, attrape ce méchant et suis-nous. Ah! Laisse-moi descendre. Remettons ces livres en état.
livres préférés. C'est vrai que Zoé Zapp, ça n'a pas l'air si mal que ça, finalement. Roméo, oh, tu aimes les histoires? Quoi? Oh, oh, Zoé Zapp, attaque, éclair. Ouille. Vous avez réussi à me battre cette fois-ci, les pyjamas, mais je reviendrai. Roméo, il est en train de s'enfuir. Je m'en charge, les pyjamas. Ses histoires préférées. Pyjamasque, on crie hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Hourra! Nos livres sont revenus! On va pouvoir lire des histoires! Regarde, c'est un livre de Zoé Zapp! Tu n'as pas envie de le prendre, Amaya? Non, je choisis celui-ci aujourd'hui. C'est un livre sur les hiboux!